Du sport pour terminer ce journal. Et une fois n'est pas coutume, on va parler d'équitation. On s'intéresse à présent au centre équestre René Dujardin de Marcq-en-Barœul qui accueillait ce week-end un concours international de saut d'obstacles. Un événement qui n'avait plus eu lieu à Marcq et au centre équestre René Dujardin depuis 1994. Ce concours de haut niveau a rassemblé diverses nationalités pour des épreuves de saut et de puissance durant 3 jours. Des centaines de spectateurs ont pu admirer des cavaliers olympiques et d'anciens champions de France. Macha Grunessen a rencontré Sylvain Diette, l'un des co-organisateurs de ce jumping international de Marcq-en-Barœul. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Il est donc au micro de notre reporter. On accueille pas mal de têtes d'affiche, puisque on a des anciens champions du monde, on a des anciens champions olympiques, champions européens et champions de France. On a des cavaliers qui font partie de l'équipe de France aussi, qui sont là, qui ont bien voulu venir sur ce premier concours organisé par l'UCPA et Day Jumping.